Bien. Bonjour tout le monde, je pense que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui sera peut-être beaucoup vue. J'espère que les gens seront intéressés par ce sujet. Donc, je vais d'abord me présenter et puis, bon, après, vous faire entrer dans le but du sujet, sur quoi exactement. Nous sommes en train de vouloir présenter cette thématique-là. Je vais vous expliquer d'abord, je suis ingénieur dans le domaine de la technologie, les nouvelles technologies telles que l'artificielle intelligence, les machine learning et puis les clouds que tout le monde connaît très bien. Voilà, donc j'ai excellé dans ce domaine-là, mais je vais d'abord vous expliquer mon parcours pour que vous puissiez un peu me suivre. Alors, je suis arrivé aux États-Unis en 2012 et j'ai commencé les études. Et comme tout Africain, j'ai commencé mes études dans le domaine de la science. Et après la science, j'ai postulé pour le domaine du pétrole parce que je suis quelqu'un. Et quand il me dit que tel boulot-là, c'est là-bas, on paye très bien. Moi, je vais partir, quel que soit ce que ça va donner. Même si, bon, la médecine, je prends l'exemple, la médecine comme ça paye très bien. Et si tu me dis d'étudier en médecine, si l'université m'accepte d'étudier en médecine, je peux le faire. Mais pour que l'université m'accepte en médecine, c'est peut-être ça qui sera un peu un blocus, mais ça ne va pas m'empêcher de le faire. Donc, après avoir fini mon, ce qu'ils appellent associé degré, la licence, j'ai choisi un domaine qui est ce qu'ils appellent la petroleum engineering, dans le domaine du pétrole, parce qu'à ce moment, le pétrole payait très, très bien. Le pétrole payait très, très bien. C'est-à-dire, si tu étais un ingénieur de pétrole, c'est l'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent dans le pétrole. Donc, j'ai commencé ça. Mais quand Obama est arrivé au pouvoir, bon, les choses ont changé parce qu'ils ont essayé de vouloir changer la nature du pétrole, la nature des énergies, transférer des énergies fossiles jusqu'aux énergies renouvelables, telles que bon, les énergies thermiques, les énergies éoliennes, les énergies solaires, et puis hydraulique. Dans tout ça, là, ça changeait carrément la donne. Et les compagnies de pétrole ne voulaient plus de nouveaux ingénieurs. Donc, c'est ça qui a gâté ma vie. Mais ce n'était pas encore gâté. C'est ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos. Moi, dans n'importe quel endroit, quand on te dit que tu es entrepreneur là, dans n'importe quel endroit de la planète, si on te prend, on te jette là, tu dois être capable de pouvoir inventer quelque chose, créer quelque chose. Donc, automatiquement, j'ai changé. Je suis allé chercher un diplôme en mathématiques et puis statistiques. Et puis, après, je suis allé chercher un master en technologie. Technologie, nouvelle technologie, les grandes données, gestion des données, données de base, les bases de données plutôt, et puis le cloud. Voilà, mais spécialisé dans ce domaine-là. Et puis, bon, essayer d'avancer. Et après, maintenant, je suis allé chercher un MBA, ce qu'ils appellent Master in Business Administration, maintenant collé à l'autre master là. Mais je vais vous dire la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Pourquoi est-ce que ce jeune est devenu milliardaire aux États-Unis? J'ai été inspiré par quelqu'un. J'ai lu le parcours de quelqu'un qui m'a inspiré. Il m'a très, très inspiré, je vous dis. Il m'a très, très inspiré. J'ai un peu essayé de suivre son parcours, mais arrivé à un certain niveau, j'étais un peu bloqué. Mais je n'ai pas abandonné. Si je continue, c'est comme si c'est le début pour moi. Je vais vous montrer la personne. Je pense que vous êtes prêts à ce que je montre cette personne-là qui m'a inspiré. Et il continue de m'inspirer. Peut-être même qu'il aura la chance de voir cette vidéo-là. Je vais vous le présenter. Donc, allons-y. Vous me donnez une minute. Les voilà. Monsieur, c'est un Malien. Son nom, c'est Mossadegh Bali. Voilà, c'est Mossadegh Bali. Il m'a inspiré. C'est quelqu'un qui est venu aux États-Unis. Il a étudié dans l'une des meilleures universités américaines. Et maintenant, au lieu de rester travailler aux États-Unis, il n'a pas fait ça. Il est reparti en Afrique.
Devinez quoi est-ce qu'il est allé faire en Afrique. Il a eu un MBA. Quand vous faites une recherche sur ce monsieur, il a eu un MBA, il était en Californie. Et au lieu de rester, son MBA était l'un des meilleurs diplômes les plus recherchés parmi bon, les classements des Forbes. Quand on dit Forbes, là, les compagnies les mieux placées aux États-Unis ou bien dans le monde. Son diplôme était le mieux recherché. Mais il a tout abandonné aux États-Unis ici. Il est rentré au pays. Donc, ce monsieur, son parcours est un peu... Quand vous lisez un peu son parcours, c'est vraiment un peu intimidant. Il est né au Mali avec des parents du Niger. Donc, il a deux cultures qui sont mélangées, le Niger et le Mali. Mais il a commencé à acheter un hôtel qui était en faillite au Mali. Bon, à ce temps, l'hôtel était en faillite, l'hôtel avait des problèmes. C'est pour cela qu'il a essayé de mettre en œuvre ce qu'il a appris aux États-Unis. Il a mis en œuvre ce qu'il a appris aux États-Unis pour pouvoir développer ce concept-là. Et il a acheté l'hôtel-là parce que son papa même était un commerçant. Donc, c'était un homme d'affaires. Bon, quand on dit commerçant, c'est un terme un peu péjoratif. Mais son papa était un homme d'affaires. Donc, il a acheté, réacheté l'hôtel qui était en faillite complètement. Il a retapé l'hôtel, il a rénové l'hôtel. Et l'hôtel, il a nommé l'hôtel Azalei Hotel. Il ne s'est pas limité seulement au Mali. C'est la deuxième ville qu'il a implémenté, son deuxième hôtel, c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et quand vous regardez les images de ces hôtels-là, vous allez voir les images de ces hôtels-là. Et là, il a fait... Ça, c'est après Ouagadougou, il est parti. Il est parti à Abidjan. Après Abidjan, il est parti en Mauritanie, au Niger, au Bénin. Et il est en train de conquérir tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Bon, vous regardez les pays dont il a implémenté ses hôtels. Il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, et Bénin, le Burkina Faso. Quel hôtel encore au Mali, au Sénégal, à Niachat. Vous voyez, à Niamey. Donc, il est en train de sillonner tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, quand vous regardez son hôtel à Abidjan, ça vous fait peur. Il fait peur même aux plus grands hôteliers français, puisque c'est eux qui dominaient Abidjan. Quand vous prenez le groupe Accor, qui est un groupe subordonné de l'ancien président français, mais c'est eux qui dominaient l'hôtellerie. Quand on parlait des grands hôtels en Afrique de l'Ouest, mais ce sont des groupes français, ce sont des groupes marocains, ce sont des groupes arabiques. Mais aujourd'hui, les gars sont en train de changer la donne. Il est en train de changer la donne. Il a construit un hôtel qui fait des milliards. Donc, c'était pour vous dire que dans cette ville-là, vous pouvez aimer quelqu'un. Il ne faut pas faire la compétition. Vous pouvez aimer la personne. Il faut s'inspirer de la personne. Parce que l'habitude, ce qu'on fait comme erreur en Afrique, c'est quand la personne te dépasse, les problèmes de jalousie, c'est rentré et sorti là. Mais souvent, il faut essayer de dépasser ça. Il faut aller aux dogmes les plus compétitifs, c'est-à-dire s'inspirer de la personne. Essayer de voir comment est-ce que la personne a fait. Pas forcément prendre le même chemin, mais essayer de voir les voies et les moyens, auxquels vous êtes passé. Et ça pourra vous aider. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'était pour vous montrer comment est-ce que je me suis inspiré de la personne. Et je me suis inspiré de lui. Et donc j'ai commencé mes hôtels au Burkina Faso. Et après Burkina Faso, je suis en train de rentrer. Bon, quand je dis nous, c'est mon équipe. Mais je suis en train de rentrer en Côte d'Ivoire après le Burkina Faso. Et je vais transiter vers Togo. Voilà les trois grandes villes qui m'intéressent actuellement. Les trois grands pays qui m'intéressent maintenant, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et puis le Togo. Après ça, maintenant, je vais essayer de voir Bénin, Mali et consorts. Donc, j'ai commencé mon groupe d'hôtels. Le premier hôtel est en phase terminale, c'est presque fini. Et après ça, maintenant, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, j'aimerais encore vous parler d'autres choses qui les gens vont vous dire, bon, il y a l'insécurité, il y a les tracasseries, c'est rentré et sorti. Mais
Si ce monsieur-là écoutait ça, écoutait les conflits, les quoi et consorts, les crises, il n'allait pas rentrer en Afrique. Aujourd'hui, si vous voulez multiplier votre argent par 100, restez aux États-Unis. Si vous voulez multiplier votre argent par 1000, il faut partir en Afrique. C'est là où il y a les opportunités. C'est là où commence la vraie vie, la vraie compétition dans les domaines des affaires. Parce que quand vous prenez les pays développés, États-Unis, Europe, bon, voilà, ces pays sont arrivés à un certain niveau où même créer un business, donner une créativité devient de plus en plus très difficile. Alors que les marchés africains restent toujours vierges. C'est là-bas que nous partons. Et je vais vous donner un challenge. Dans les prochaines vidéos, je vais commencer maintenant à montrer comment j'ai débuté la construction d'hôtels, comment je suis arrivé, et aussi les secteurs immobiliers auxquels je me suis lancé, les progrès que j'ai par. En tout cas, c'est très, très bon. Voilà, c'est très, très bon. Donc, aujourd'hui, c'était ça et j'étais là pour partager cette vidéo. Voilà, partager cette vidéo pour vous dire que ce monsieur, j'ai lu son profil m'intéresse beaucoup, son profil m'inspire beaucoup. Si même j'ai eu la chance pour communiquer avec lui, je serais très, très content parce que il est ce qu'on appelle mon role model, c'est-à-dire la personne auquel je veux ressembler. Sa manière de penser, sa manière d'entreprendre, l'unicité de sa conception, c'est ça que je veux adopter. Et je suis en cours de route. J'espère un jour, je vais le rencontrer et puis lui montrer cette vidéo. Et si vous le connaissez aussi, on ne sait jamais, si vous le connaissez aussi, il faut lui montrer cette vidéo, il faut lui dire que il y a quelqu'un qui est inspiré par ce qu'il a fait, quelqu'un qui veut vraiment le suivre. Voilà, peut-être qu'il va me donner un conseil. Et voilà, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Son parcours académique m'a plu beaucoup. Sa manière d'entreprendre me plaît beaucoup. Sa manière même de parler dans le domaine du business, essayer de centrer tout sur les nationaux d'abord. Centrer son business sur les nationaux d'abord et puis étendre ça. Maintenant, ouvrir ça à la globalisation. C'est vraiment l'une des meilleures conceptions d'entrepreneuriat, surtout en Afrique aujourd'hui. Le monde de demain, c'est en Afrique. Il faut commencer là-bas. Voilà, merci.